Mais quel est le kombu pour un japonais? Je sais pas si vous avez remarqué, mais les japonais kombu, ça qu'ils ont plus soif. Kombu, dashima, aida, autant de noms vernaculaires pour des algues brunes laminaires. Laminaires, ça veut dire qu'elles ont une forme de lame. Et elles ont une forme de lame tout simplement parce qu'elles ont besoin de capter beaucoup de lumière intense. Et donc, en France, on en cultive en Bretagne. Et on cultive du kombu royal, il est appelé royal parce que c'est le plus fort des kombus, parce que, rapport au fait qu'il n'y a pas de soleil en Bretagne. En fait, elle contient du mannitol, mannitol, ça lui donne un petit goût sucré, parce que kombu, en japonais, ça veut dire bonheur. C'est l'algue alimentaire à la plus forte teneur en iode, donc à consommer si vous avez des problèmes de glandes thyroïdes, ou d'hypertension. Elle est surtout cultivée autour de Kaido depuis plus de 10 000 ans. On la retrouve beaucoup dans la cuisine japonaise, dans les dashi, le bouillon de poisson, ou pour accompagner les sashimi. Alors sashimi, c'est pas la même chose que les sushis c'est quand il y a du riz, les sashimi c'est l'art de découper les poissons. Et le kombu accélère la cuisson des légumes et des légumineuses, ce qui est un peu contradictoire vu que le kombu en soi, si vous voulez le réhydrater, il faut déjà le tremper dans l'eau plus de 20 minutes. Et si vous voulez le cuire, il faut rajouter 20 minutes. Non mais l'intérêt c'est que vous utilisez le kombu pour accélérer la cuisson des féculents et des légumineuses. Ce qui veut dire qu'eux vont être moins cuits, donc ils vont être al dente comme on dit pour les pâtes. C'est-à-dire que ça va être meilleur pour votre digestion. Gestion. C'est pas avec ça que les gens vont s'abonner. Hein.